Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis chef gérant dans une école primaire et maternelle à Rogne, à l'école Verrier. Chef gérant, c'est quoi? C'est être déjà à l'écoute de son équipe pour que la production se fasse du mieux possible, qu'on épluche, on émesse, on fait revenir, on fait rissoler, on fait mijoter. C'est pareil que la restauration traditionnelle, à part que nous, en collectivité, on a des outils qui permettent de faire des choses en grosse quantité, mais les gestes sont les mêmes. C'est toujours plaisant parce qu'on utilise des produits frais tous les jours, c'est jamais les mêmes produits. Tout est fait le matin pour le midi, donc c'est pas une routine journalière. Le chef gérant est quand même responsable de sa cantine. C'est comme si c'était son restaurant, qu'on a une commission des menus. On valide les menus. À partir de là, moi, je fais mes commandes à la réception. On contrôle qu'on a bien ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Ensuite de là, ça rentre dans nos cantines et c'est cuisiné sur place en produits frais. Tous les jours. La grosse partie aussi après la production est la partie hygiène. Donc on est quand même très 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 contrôlé sur ceci. Donc il faut qu'on garde tout ce qui est traçabilité, tout ce qui est planning de nettoyage. Donc c'est une grosse gestion aussi administrative. Donc mon parcours est simple, c'est CAP BEP hôtellerie avec derrière un bac hôtellerie. Je suis parti travailler direct en restauration collective comme cuisinier. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de devenir chef gérant à la suite. La perspective d'évolution est de finir chef de secteur qui consiste à gérer plusieurs chefs gérants avec plusieurs sites. Donc dans ce métier, ce que j'aime, c'est quand vous rencontrez les parents dans le village ou qui vous remercient de ce qu'on fait à la cantine, des produits frais qu'on cuisine tous les jours, que leurs enfants ils sont contents de manger à la cantine et quand vous voyez les enfants qui reviennent manger plusieurs fois, c'est que la cuisine est bonne, quoi.